Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. Aujourd'hui, l'horoscope est... Non, 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 pas l'horoscope le week-end, c'est pas bien. Allez, bisous. Dis quoi, il faut qu'on se fasse quoi? Montre, montre, montre. Je crois qu'elle a me dire un truc de fou, regardez. Montre, montre, montre. Waouh. Ok, donc je suis à Dubaï pour me faire un fast-food. Oui, au bord de la plage. Ah, au bord de la... Ah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Bah c'est oui. Embrassement, c'est aga, complètement aga. Pas pareil. Allez, c'est parti. Finalement, je l'aurais eu en fast food. On vous montrera tout à l'heure. Bon? Ouais, ouais, surprise, surprise. Bon, là, on va faire 2-3 magasins. Et après, on va manger. Pense qu'à bouffer, toi. On va manger chez des copains. Il y a plein de petits brouti-brouti à Dubaï. Plein de petites. Je sais pas. Ils aiment trop ici. On se préparera plus tard dans la journée. Là, du coup, on va se manger un gros burger. Je suis trop contente. J'ai lancé une perche. J'ai dit à Pagajou, les gars, vous voulez manger quoi à midi? Vous voulez manger des salades, de la viande, du poisson, des burgers, des kebabs? Je n'osais pas. Elle m'a dit kebab direct. Je vous explique. Burger direct, pardon, shak-shak. Je vous explique qu'on était trop heureuse. Attendez, je vous montre. On est minable. Allez là, avec qui est là, comme ils sont beaux. Voilà, avec ma foi. Allez. Ils sont là. Dites-leur de ne pas partir. Attendez la blague ce matin. Je regarde la story de Jou et je vois marquer. On va rentrer plus tôt de Dubaï. Notre fille ne manque pas du tout. On va les séquestrer, on va les garder. On les voit jamais. Dites-leur de rester. Quand il arrive, Georgia, elle va être là pour toute la vie. Non, on peut pas. C'est notre premier enfant. Toi, tu connais pas ça. T'en as deux. Ça, ils ont grandi. Ils ont 5 ans bientôt. Ça y est. Mais si, mais il faut quand même vivre aussi sa vie de parents, kiffer, sortir en boîte. Allez en boîte de nuit, démontez-vous. Mais oui, mais on va se démonter cet après-midi, on va aller avec Ibiza. Avec Jimmy. Je rigole, bien sûr, l'alcool est à bord avec modération, c'est une blague. Hein. Mais c'était pour leur dire de vivre, quoi. Pas qu'ils partent, qu'ils restent avec nous une semaine. Tu vas venir, Nicky Beach, Jess. Tu veux venir avec nous? Non, pas du tout. Halloween avec les enfants. Pas du tout, je fais Halloween, eh oui. Tu verras. C'est bon, laissez tes gosses. Halloween, c'est bon. Toute l'année, ils peuvent le faire. Non, par contre, tu vas la tête toute l'année, c'est bon, Halloween. Non mais Halloween c'est Halloween, Noël c'est Noël. Mais par contre, si vous voulez, on se prévoit des vacances pendant une semaine, j'ai pas peur, je laisse les enfants moi. Ah, tu veux vraiment faire la fête, Jack? Ça te manque la fête, hein? Écoute, moi je fais du paddle toute la journée, je m'occupe des enfants. Oh, tu t'es mis au paddle? Ouais. Hop là! Ouais, c'est nager. Il est chaud patate maintenant. Montre comment tu nages. Voilà, viens. Qu'est-ce que tu veux de mes gros? En caleçon, vous êtes tous en caleçon. Eh oh, les garçons! Fais un plongeon, fais un plongeon, fais un plongeon! Montre comment tu fais! Montre comment tu fais! Regardez-moi le, lui. Ils ont acheté Paga et Jou, ils ont acheté un petit cadeau à Mylon, ne lâche pas depuis tout à l'heure. Mylon, tu es contente de jouer à Hippopo? Paga, c'est vraiment, tu sais, Paga, c'est vraiment la pantomime. Ouais, vrai. Le mec, les enfants, il aime trop. Tous les enfants, ils aiment trop Paga. Le mec, il a 60 ans, il est toute sa vie, il joue. Depuis tout à l'heure, il joue à la guerre avec tonton Pop là-bas. Quel gamin ce tonton Pop. Je t'ai tiré. T'as vu, il a dit regarde, Mylon, il a regardé une demi-heure derrière lui. Regardez-moi comme il est beau, Popo. Chaussettes, t-shirt, tasse de Noël. Non mais tu es magnifique. Gars, moi, dans ma tête, c'est déjà Noël. Tu es merveilleux, tu es. Hey, je peux pas rêver. Ah, vous êtes vraiment des cœurs. Un détente.
aujourd'hui, le maquillage, ça va pas du tout. Mais vraiment, mon maquillage, il est horrible. Je sais pas ce que j'ai fait. Je voulais pas mettre de fond de teint, du coup, j'ai mis de l'anti-cerne comme ça avec de la poudre. Mais c'est affreux. Jamais. Regardez ce que ça fait. Oh, c'est pas possible. En plus, avec les lèvres sèches et tout, mais il n'y a rien qui va, mon Dieu. En tout cas, je vais vous dire qu'aujourd'hui, c'est les 6 mois de Georgia. Ça veut dire que là, elle a une demi-année, genre. La moitié d'une année. Mais ça passe trop vite. Et je sais pas vous, mais je trouve qu'un bébé, genre, à partir de 6 mois, ça passe trop vite. Genre, il y a... Je trouve qu'entre 0 et 5, c'est bien. Mais ça fait rien, genre ça grandit, mais ils n'ont pas trop d'interactions. Je trouve qu'à partir de 6 mois, c'est vraiment le meilleur moment parce que genre ils commencent vraiment à interagir, à comprendre, à voir bien. Et c'est trop beau, genre là, il me manque trop là. Franchement, il me manque. Et du coup, on a changé les billets, ça y est. On rentre, on devait rentrer lundi, donc le 6. Et finalement, on rentre 4 jours avant, donc on rentre jeudi. Parce que jeudi matin, parce que ça, franchement, ce matin, c'est réveillé, on n'était pas bien du tout. Là, elle commence à faire des trucs, genre le midi, elle sait qu'après manger, elle a un yaourt. Bon, là, c'est yaourt sans lait, les yaourts picots, puisqu'on veut qu'elle est intolérante aux protéines de lait de vache. C'est des yaourts un peu spéciaux, qui pour nous ne seraient pas très bons, mais qui pour elle, c'est un truc de ouf, genre elle aime trop. Et en gros, quand elle voit son pot salé, elle mange parce qu'elle a faim, et après... Et après, en gros, quand elle voit son pot salé, elle aime bien au début. Et après, ça la gave et elle pleure pour avoir son yaourt. Donc, du coup, dès qu'on lui donne le yaourt, elle est trop contente. Elle pleure plus. Regardez-la, regardez-la. Regardez-la, regardez-la. Trop belle, tu es. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Je te fais une Tu veux pas faire un peu... Tu veux pas faire... Parce que là, en fait, tu fais pas du tout peur. Hein. On dirait un bodybuilder, mon frère. Tu veux pas faire un peu... Tu veux pas faire un... Parce que là, en fait, tu fais pas du tout peur. Hein. On dirait un bodybuilder, mon frère. Et voilà, je me suis fait un petit squelette. Hein. 3 minutes. Voilà, je suis belle. Ouais, tu es bien maquillée. Voilà, jolie, hein. Ouais, tout moi. Non, alors elle me dit ça, la connasse. Non, ben, j'ai un sticker, mais il a pas collé là, donc du coup j'ai peint. Enfin bref. Ils sont beaux, tes. Mais quoi? Tes trucs aux yeux là. Mes yeux, tout court, mes yeux. C'est ses yeux. À qui mettre ce genre de chaussures, sincèrement? Ça existe? Oh, comment c'est horrible. Je suis trop contente. J'ai trouvé. Par contre, vraiment, mon maquillage, pas possible. Mais j'ai trouvé mes chaussures, mes talons de mariage. Parce que j'avais un modèle plutôt bien précis. Bon, je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un qui ressemblait. Mes talons de mariage, du coup, je suis trop contente. Parce que je voulais une paire bien précise que je trouvais vraiment très très belle. Et au final, j'ai trouvé ici. Donc, je suis contente parce que ce magasin, il n'y est pas. Enfin, il n'y est pas beaucoup en France. J'en ai pas vu beaucoup. Bébé vient de s'acheter sa paire de chaussures pour le mariage. Alors. Elle a pas voulu que je regarde. Elle m'a dit surprise. Mais je sais que c'est Jimmy Choo. La famille, je vous explique. Je suis perdu. Je suis au mall à Dubaï. C'est gigantesque. Regardez-moi ça. Bah, vous connaissez, c'est vous avez dû voir des stories. Mais... C'est pas le centre commercial de la Valentine. Hein. Et ouais. Peut-être. C'est pas les terrasses du parc. Mais je m'y sens bien là-bas. Moi aussi. Ah voilà. Non, non, franchement. Tu rentres dans un magasin, tu ressors, ça te coûte 10K. Donc tu rentres non, et. Dépense pas 10K. Non, mais non, mais pas, sûrement pas moi. Mais en règle générale, si tu as des sous, tu rentres et minimum, si tu ressors, ça te coûte 10K. Je vais à la Zara, la famille. C'est mieux.
Louis Vuitton. Je vais prendre mon parfum favori qui s'appelle l'immensité. Il est là, regardez. Celui-là, c'est mon parfum fétiche. Louis Vuitton on my backpack. I just left that bank. Tu bout ta vie. Tu KO mon amour. Qu'est-ce que tu es belle. Oh non, non, j'ai envie de te faire des bisous. Tu m'as mis quoi comme filtre? Je t'ai pas mis de filtre. Merci, pas. Tu es trop belle, mon cœur. Moi. Ah, je l'ai pris. J'ai pris mon petit parfum. C'est l'immensité. Deux petites cheats. Et je le garde un an, le parfum. Ils sentent très bon. Les parfums Louis Vuitton, ils sentent très bon. Ils sont pas excessivement chers. Et ils sentent vraiment très, très bon. Et au moins, ça permet de se démarquer un petit peu de tous les autres parfums. Je sais pas où on est là, je suis perdu. Je suis complètement perdu là. Trop beau, on est. Oh, il est tchatcheur, oh. Bah, bah, bah. Trop beau, tu es mon amour. Le problème avec ces centres, ces grands centres là, je cherche les toilettes. Je pense que j'ai dû faire 1 km. Dans 500 mètres, si je trouve pas des toilettes, je me pisse dessus. Voilà. C'est trop grand. En plus, va dire toilette en anglais. Bah, toilette. Non, c'est pas ça, non? La toilette. Ah, toilette. Ok. Allez, je suis à deux doigts de me faire pipi dessus, bébé. Mais je suis pour rien, là. Tu n'as pas de toilette. Bah, trouve-moi des toilettes, s'il te plaît. Demain, tu parles anglais. Bah, deux secondes. Quelqu'un qui travaille là. Je vais pas demander à un passant, bébé, les toilettes, quand même. Et alors, pourquoi, excuse-moi, where is the toilet? Mais bébé, il doit pas en savoir plus que nous. T'as vu comme c'est grand? C'est vrai que c'est grand. Ouais, ma parole, je vais demander. Le premier qui vient, je demande. Allez, je demande à la dame. Non, mais te fais pas, après, non. Excuse-moi. Where is the toilet, please? Straight and left, thank you. Pas ah, voulu m'écouter, regardez là. Regardez là. Quoi, c'est là quoi? Ils sont où les shots? Eh oh! Ils sont là-bas les toilettes, je les vois, ils sont là, là, là. Pourquoi elle me fait aller là-bas? Ah, vas-y. Ça m'énerve, elle m'énerve. Oh, comment elle m'énerve. Horoscope du jour. Horoscope du jour, bonjour. Ouais, ça te va bien, hein? Tu es belle comme ça, mon amour. T'imagines, on sera comme ça un jour ou l'autre. Bah, j'espère qu'on sera plus beau quand même. Ah, ah non, moi je serai ma même tête. Toi, tu seras comme ça. Mais quand toi, tu seras comme ça, moi je serai moins pire que toi. Oh là là, quelle tête de merde. Pour avoir la preuve, parce que je vous explique. En fait, dans le mall, c'est super dur de retourner à l'endroit d'où on vient. Tellement c'est grand, quand on connaît pas, on se perd. Et de là où on vient, c'est le seul endroit où les Uber ont accès. Donc on est obligé d'y retourner. Et Paga, il m'affirme qu'il sait facilement y retourner. Mais moi, je vous jure, hein, je n'y retourne pas. Impossible. Donc vas-y, je te suis. Vas-y. C'est du pipi de chat. Ah, c'est du pipi de chat. Ok, vas-y, on y va. Allez, on te suit. Allez, ma biche. Tu vas rester surprise, ma fille. Surprise. Bébé, on mange pas ça. Italien. Ah ouais? Et c'est moi qui cuisine. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Oh bébé, on vient. Ah bébé. Waouh. Mais je te jure que c'est vraiment lui par contre. Il est beau bébé. À la Fashion Twist. Beau, il a plus de cheveux fashion bébé. Twist. Fashion Twist. Est-ce que tu m'invites ce soir? Non, c'est pas. Vas-y, s'il te plaît. Plus de cheveux. Raconte. Quoi, raconte? Ce que tu fais faire pour Georgia? Raconte. De quoi? Raconte la vérité. Mais sur quoi? Les habits de la petite. Ah ouais, je suis rentré dans le magasin, je crois que ça allait coûter 150 €, à la fin j'ai payé 400 €. J'ai failli tout annuler. En gros, je vous explique. Non, on est rentré dans un magasin. Plus cher qu'en France, je suis choquée. Et c'est vrai qu'en France, quand on prend les petits habits pour les enfants, deux marques on parlait. Un truc de marque, mais Givenchy chez les bébés en France, ça coûte pas trop cher. Allez. Et là, il arrive à la caisse, moi je lui dis bébé, je pense que ça va coûter genre 100-150 €. Il me regarde, il était en train de mettre la carte, il me dit bébé,
ça coûte 400 euros. J'ai dit, enlève ta carte, enlève ta carte. Du coup, moi, je lui dis, bébé, enlève ta carte, on dit qu'on le prend pas, c'est mort et tout. Vas-y, on le prend pas, genre 400 euros un ensemble pour enfants, genre alors qu'elle va le mettre peut-être 2 mois, c'est mort. Et au final, il a pris quand même. Mais du coup, on a le droit d'aller se faire rembourser. La vérité, c'est juste que. Non, ils abusent sur les prix. L'archoum un peu, mais. Ils la vérité, moi, j'ai le droit d'aller de me faire rembourser, genre. Franchement, c'est trop cher, 400 euros. Non, mais franchement. Bah, ce soir, c'est moi qui t'invite au resto, bébé. Non, mais c'est abusé, franchement. C'est, bah, c'est toi qui as payé, je t'invite au resto. Frère. Là, je t'invite au resto pendant au moins une semaine. Mais non, mais c'est pas question de ça, c'est que je suis choqué que la ville est trop chère. Ouais, c'est vrai que. Et parce qu'il y a marqué J'y viens, j'y, 400 euros. Ça, c'est... Mais surtout si c'est pour nous encore, c'est pour un enfant, ça dure 2 mois, genre. Non, c'est trop. Je lui ai dit, tu sais quoi, aller à Marseille, prendre du faux, ça m'aurait coûté 30 euros. Non. Par contre, là, on abuse, là, on abuse, là. On peut aller chez Zara comme tout le monde et acheter des trucs. Mais je savais pas que ça allait coûter 400 euros. Kabi, voilà. Donc avant d'aller au restaurant, je vous mets ma petite offre pour Aparajan. Donc là, j'ai les bracelets, donc j'ai le bracelet trèfle et la petite boule aussi. Donc tous mes bracelets. Ici, donc j'ai pris la lune récemment. C'est les 2 derniers colliers que j'ai reçus et vraiment les 2 coups de cœur. J'aime trop. Donc collier personnalisé avec le prénom Georgia. La lune que je trouve magnifique et les boucles d'oreilles aussi. Donc l'intégralité de mes bijoux viennent de chez Aparajan. Et ils sont magnifiques et en plus inoxydables. Je me douche avec, je vais dans le bain avec, piscine, sans problème. Hier c'était oriental, aujourd'hui c'est italiano. À tout moment je me lève et je te fais un show italien, baby. Quand t'as fait, t'es insupportable. En fait, je suis fatiguée. Ok, la fin, à mon avis, c'est toutes les gonzesses, vous êtes les mêmes. Quand vous avez faim. Tu me filmes ? Non, je filme pas, non. Quand vous avez faim. Mais arrête, tu fais un reportage ? Yes, on n'existe pas à vos yeux. C'est la nourriture, la nourriture, la nourriture. Sauf que Giuseppa, depuis que je l'ai rencontré, ça fait 2 ans, elle a faim toutes les heures. Comment vous dire que je suis au garde à vous ? Les mecs qui font la muscu, ça vous le fait, vous, quand vous faites les pecs ? À la sortie, vous prenez votre douche ? Bon, ça rétrécit un petit peu, mais genre quand vous mettez un t-shirt un peu moulant, vous sentez costaud, vous sentez vaillant. Sauf que dans mon corps, il y a vraiment dégueu. Wesh, j'ai un corps de crevette. Hé hey, bébé, on est chez Luigia. Luigia, Luigia. Allez, on te suit, bébé. Sinon, elle va mordre quelqu'un, elle va le prendre à la gorge, elle va le tacler. Elle est capable de voler la nourriture à côté. Hein. Elle est capable vraiment de voler des pizzas, des... Oh, bellissima. Je suis obligé d'aller vous les filmer comme ils sont beaux, regardez comme ils sont beaux. Luigia. Oh Luigia. La classe atomique. On a fini le resto. Et du coup on s'est posé en bas de l'hôtel, dans l'hôtel, pour boire une camomille et manger du gâteau.